Sekiro, du coup. On va pouvoir finir le jeu aujourd'hui, on va essayer. Hein. Ah, manette, on devrait être bien. Continuez. On a bien avancé hier. En tout cas, hier, j'ai bien kiffé ce qu'on a fait. On était en train de monter la montagne là. Je suis encore un peu malade. Ouais, c'est ça, on était en train de monter la montagne et on est arrivé ici. J'avais un peu rush la fin vers. Ah, putain, il y a eux. Non, mais moi, laisse tomber. Hein. Il y a toutes ces mamies possédées par les insectes. Non, mais déjà, faut que je trouve comment on les tue. Je vais pas me faire chier. Hein. Oh, je vais ouvrir ça. Faut que je trouve comment on les tue, parce que j'ai beau les buter, elles reviennent à la vie. Ah merde. On va pas commencer direct par des mecs qui veulent nous péter la gueule. Laissez-moi me remettre dans le bain. Ah merde, je peux même pas en tuer un en ninja. Est-ce que je peux en repérer? On me fait repérer que par un. Yes, techniquement y'en a un qui m'a vu. Ils vont perdre et je vais les assassiner par derrière. Là il se dit mais où il est? L'autre aussi hein, il va se retourner. Ouais, faut que vous retourniez en même temps, sinon c'est mort. Non mais les mecs. Oh, mais ils sont inutiles. Hein. Ah! Let's go, motherfucker, let's go! Ah, j'aurais dû faire le ninjutsu de la disparition! Merde. Ouais, mais là ils sont deux là. Vous avez vu comment le. Ah merde, j'ai pris une boulette alors que je devrais être sur ma popo de base. Le rebord de la salle m'a empêché, comme si c'était un rebord. Alors que vu que c'est deux zones différentes, c'est considéré comme un mur. En combat, tu peux pas le traverser, c'est marrant. Ouais, je sais pas que ça va faire. Hein. Je suis venu d'où d'ailleurs. Oh, des femmes qui craignent des insectes là, j'ai pas envie. Hein. Ah, je suis venu d'ici, je me rappelle. Salut le monk. Je peux y combattre pour me rappeler. Allez. Parade. Nice. Oh non. Oh, vas-y, pas eux. Mais putain. C'est vrai qu'on est vers la fin du jeu avec des mobs chiants. Vas-y, je crame. Comment on retire la brûlure? Est-ce que dasher plein de fois ça suffit? Visiblement pas trop. Hein. C'est vrai qu'ils sont zéro. Hein. C'est vrai qu'ils sont zéro. Donc tout faut rush, hein. Faut les rush. Hein. Avant qu'ils jettent des bombes de feu. Ouais mais non, attendez. Attendez, parce que à la base je suis censé monter tout en haut du temple hein. Du coup on peut plus monter. La montagne elle se termine pas hein. Or c'est ici tout en haut du temple. Nice. Ah ouais, il y avait un rebord de la falaise auquel j'avais pas accès au début. Hein. Je sais pas si on y accède d'ici. Il y avait un vieux qui avait une quête, il y avait une vieille qui me parlait d'un. De riz. Je crois. Voilà, on peut les combattre comme ça en vrai.
Petit à petit j'ai un trigger 1 là. Ah. Non l'autre il va me voir. Que vite 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 vite. Hit. Oh non. Grosse bourse en plus, nice. Merde, fallait sauter. Saute. Merde, j'ai pas réussi à lui tomber sur la tête. Fuck you. Putain, il est motivé lui hein. Un jour je réussirai à le... C'est ça mon gars. Parade parfaite. Il y avait des loot que j'avais pas pris. Hein. Je me rappelle plus trop où. Hein. C'était au tout début près du... Point Hill. Ah mais ça c'est le pont avec le... Et là c'est la cloche. D'ailleurs, j'ai pas trouvé la route qui mène à la cloche depuis ici. Hein. Oh putain, y'a trop de trucs. Faudra que je repasse un peu en speedrun dans cette zone. Mais est-ce que je suis tout en haut? Ça veut dire que hier, je me suis arrêté en haut de la montagne. Attendez, la manette, la souris me saoule. Là, y'avait la vieille. Le rebord. Et le pont cassé. Vraiment sympa de pouvoir tout voir de loin quand on est tout en haut. Merde, y'a un monk. Pourquoi il a pas juste fait le kill furtif là? On comprend pas trop des fois. Bref. Je referai un peu plus tard le cheminement. Attends, du coup, il y a une porte que j'aurais pu ouvrir de l'autre côté. Ah non. Ouvrir cette porte. Ça, c'est pas des portes qui s'ouvrent. Tac, 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 tac. Là, ça descend. Non, non, y a pas. Il doit y avoir un escalier qui monte dans le... dans cette zone. D'avoir quelque chose. Mais elle est vieille, sa mère je les combats pas, elle me dégoûte trop. Franchement. Ah bah voilà. C'est quoi ça? Attendez, déjà il y a une table spirituelle là. Inspectée. Je croyais que ça trigger un boss. Hein. Et en plus il y a un loot là. Mais attends, je peux aller genre là comme un connard? Ah ouais. Elle me tue pas. Oh merde. Goutte de sang du dragon. Ouais, désolé de profaner tout ça. Je vais juste recharger au cas où il y a un boss. C'est jamais. Hein. Cutscene.
Ah. La clochette qui appelle l'hiver. What the fuck, il y a une chute d'eau à gauche. Sorgo 3 biki. 1つ wa koroko. Cloche Hall d'illusion, une cloche de bronze à 5 pointes peut être utilisée à répétition quand on la fait sonner. L'état d'origine des singes et des loups est rétabli. L'état d'origine des singes et des loups est rétabli. Cependant, un singe pris dans le triptyque ne s'échappera pas, même si la cloche résonne. Rien compris. Cloche Hall d'illusion. Une cloche de bronze à 5 pointes peut être utilisée à répétition. Quand on la fait sonner, l'état d'origine des singes et des loups est rétabli. Du coup, les singes et les loups m'attaquent plus si je fais clochonner la cloche. Ça aurait été bien contre le grand singe. Cependant, un singe pris dans le triptyque ne s'échappera pas même si la cloche résonne. The fuck. Singe du triptyque. Ah. Vous croyez à un mur invisible ? Il y a un truc là. What the fuck? J'ai même pas fait exprès. Il y a un des singes qui est apparu sur l'image. Mais c'est quoi ces singes? Des singes asiatiques ça. Je voulais juste me déplacer comme un con en fait. Hein. J'ai rien capté. Hein. On dirait un boss un peu énigme. Moi je crois que c'était un bug. Nice. GG à moi. Y'a un mec. What the fuck. Sonata mo. Un de plus qui s'est perdu dans les halls d'illusion. D'accord. ここを出たがっている。それならば、屏風に書かれた猿たちを捕まえなされ。さすれば、巫女様のお声がかかりましょうや。D'accord. Le singe au kimono violet. 紫着物の猿は見る猿です。 Singe qui voit. 目がよく遠くまで見え、よく気がつく。尋常なら Mais attends, c'est les singes japonais là. Alors celui qui se cache les yeux, celui qui se cache les oreilles, celui qui se cache la bouche. Un truc comme ça, non? Mais ils sont pas 3 et pas au lieu de 4 à la base? Parce que là, il y en avait un avec un kimono blanc, du coup, je sais. Voilà, c'est ça. Il entend loin et très bien. Ça fait généralement dès qu'il entendra approcher ce qu'il est en train d'ici à approcher. Ok. Mais je m'en fous de ta vie. Koko wa taitei shizuka desu shi. Aru imi, hotoke sama no satori. Yes. Katsute anata to onaji ku. Ah bon? Shimei aru mono ga orimashita. Shibaraku saru tachi o oikakete ita to omoimasu ga. Il y a un singe juste là-haut, en haut à droite. Il y a un singe en haut à droite, un singe au milieu sur l'arbre. Ensuite, je sais pas. Bon, et bien. Déjà, c'est marrant cette salle avec de l'eau. Ah, cette salle avec de l'eau. Il y a de l'eau.
T'es malin. Oh putain, mais c'est un singe au milieu, non? Sous l'eau. Ah non, c'est des bouts de bois. Trop con. Là, on voit qu'il me repère. Il y a un papier sur le mur. L'eau infinie. Message du hall rugissant. Le bruit de la cascade rugissante est assourdissant. Personne ne peut rien entendre ici. Ah, ok. Du coup, le mec qui a full audition, il est gratuit s'il est pas loin d'ici. C'est ça le truc. Moi, je sais pas. Il y a un singe orange là, je crois. Ah, il est parti. Ah merde, je me suis fait repérer. On va essayer de les faire avec la logique du truc, non? Même si ça a pas l'air simple. Bon, attendez, on va voir ce qu'il y a dans chaque hall. Ici, c'est quoi, genre? Y a rien ici. Une simple flamme dans le vent. Quand elle s'éteint, tout est noir comme la suie. Faut éteindre les bougies. Ok, il y a du vent, genre l'odorat va partir. Mais je crois pas qu'il y ait le principe de l'odorat encore. Ah voilà, les lumières sont éteintes. Genre il fait noir quoi. Et donc celui qui a une bonne vue, s'il vient ici, c'est la baisse pour lui. Je crois que c'est des concepts comme ça. Hein. Il y en a un qui fait du bruit là. Ah, on peut aller là-haut. Et ici aussi il fait sombre. Très bien. Et à présent, je comprends l'idée. Mais arrêtez de me repérer, je visite les lieux. Vu que le boss a pas l'air agressif. Attendez, il y a une cloche à droite. Même si ça sonne, ça va assourdir les singes, je crois. On va voir si ça camoufle mes bruits pendant un instant. J'en sais rien. Ici, à quoi? Il va y avoir un papier. Ah non! La salle useless attitude. Useless Sama. Attendez, mais là, il y avait un papier. Et j'ai pas lu. Cette cloche est assourdissante. Si vous l'utilisez sans interruption, gare à vos oreilles. Ok. Donc il y en a un qui a une bonne audition aussi. Mais attends, le mec qui a la bonne audition, c'était pas là où il y a de l'eau qu'il fallait que je le... Et là? Là, je fais full bruit. Vu que tout est boueux. Oui, je comprends rien en vrai. J'essaie de faire genre, je comprends, j'ai rien compris. Hein. Ah, c'est évident. La boue, l'eau. Bon, tout ce que je comprends, c'est qu'il y a un singe. C'est quoi ça? Les singes fantômes? Ah, faille, bête terreur! Taraz! Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est le kimono quelle couleur? J'étais en train de courir sur les branches, comment j'ai pu tomber? J'ai déjà oublié. Dans le violet, il voit bien. L'orange, il entend. Oui, non, l'orange, il parle. Et le vert, il entend. Ouais, moi, je suis perdu. Passer par les toits, ça a pas l'air d'être la meilleure idée. Normalement, j'ai une longue vue. Je vais juste faire un truc, je vais retirer les confettis si jamais j'en utilise sans faire exprès, ça va m'énerver. Oh putain, merde. J'aurais dû juste essayer de les défoncer quand je suis tombé sur eux au début. Bref, essayons de les repérer. Genre, really, bro.
On voit du feu qui est laissé par un des singes. Ah merde. Il m'a vu ce chien. Ah, attendez. Le singe vert. Le vert c'est lequel encore? Il est près de la cloche, je vais essayer de le baiser avec la cloche. Non, non. Non, attends. Yes! Go, go! Tous! C'est passé. La cloche a été utile. Pour ouvrir là? Non. On peut sauter sur le. Le grand toit. Comment ça? On va tuer les singes qui me suivent là, ils me cassent les couilles. Ça sert à rien, ils repop en plus, mais bon. Ils sont gratuits. Bon, ça a l'air d'être un peu de la merde. Ah! Genre, il m'avait entendu. Et putain. C'est juste pour être tranquille en plus, je les tue. Je sens que ça sert à rien à part être tranquille. Je ne vois pas. Où est le singe? Après, je sais que j'ai des bonbons qui me rendent discret, je crois, mais bon. J'ai envie d'utiliser des bonbons, moi. What? Et putain. Gratuit. J'étais dans la salle où on voit pas en plus. Après, celui du feu. Le feu c'est lequel encore? C'est l'orange. Du coup l'orange c'est quoi? On va reparler au vieux, j'ai oublié. C'est quoi orange? Il parle, il ne voit pas très bien, il n'entend pas très bien. Il fait beaucoup de rêves dès qu'il repère une menace. Le mec qui est nul quoi, c'est lui qui reste. Le singe qui parle, c'est lui qui invoque en plus les ads, du coup. Parce qu'il parle. Mais. Il est là-bas. Je le vois avec le feu. Du coup, faut que. Je me rends pas compte s'il est. De quel côté il regarde. Je vois pas du tout. T'es sérieux? Et où? Ça marche pas les shurikens. Meurs. Nice.
Ah, en plus, c'était une exécution de Shinobi carrément. Un souvenir? Petit souvenir? Ou une P2? Oula. Je crois que la caméra avait bugué parce que j'étais en train de tourner. Non, ça va. On retourne à la réalité. Quoi? Pas de problème. T'inquiète. Ok, on a un souvenir. Alors, 2 secondes. Voilà, désolé. Je vais répondre à quelqu'un, c'était important. Alors, souvenir du singe triptyque là, le souvenir d'une bataille avec un ennemi rare et redoutable qui est dans le cœur de loup. Très bien. Oh, marionnettiste. Un ninjutsu qui permet de contrôler la victime comme une marionnette, l'utiliser. Require. À chaque fois, je dis require. Requiert des emblèmes spirituels activés après un coup mortel dans le dos. Cette technique force temporairement l'esprit d'une victime à rester dans son corps. La marionnette agit selon le bon vouloir de son maître, mais l'esprit ne peut rester indéfiniment et la marionnette finira par mourir. Et ça va un frère quoi. Aller aux halls. Hein? Aller aux halls d'illusion. Au hall d'illusion. Yes, mais là attends, on est où? T'as un TP dans une nouvelle zone? Il y avait une voix qui me disait ça, c'est pour me cacher, c'est pour cacher qui? Ok, la personne qui est dans le temple. Alors avant d'aller dans le temple, moi je vis. Ouais, quoique. On va peut-être aller lui parler d'abord, non? Reposer, no need. Salut Elnot, tu vas bien? Bonsoir à toi. Salutations. Je vais quand même vérifier, il y a quoi autour. Non, ça va, on dirait qu'à la suite d'une zone, du coup ça m'étonnerait que le mec me TP en dehors si je lui parle. Ouais, il lui parlait. Oh non, vas-y, pas les femmes. Ah bah en fait ça, ok. C'était juste à côté du bâtiment en fait. Du coup, y a pas de problème. Et il rengaine son katana, c'est que c'est un perso. Oh, boulette. C'est que c'est un perso important. Ça va beaucoup mieux. Toujours un peu malade, mais là c'est bon, là je suis en état normal, on va dire. Juste le nez bouché, des trucs nuls quoi. Un peu mal à la gorge, mais
J'ai encore un tout petit peu mal à la tête, mais c'est rien de grave. Plus de fièvre non plus, ça va. La lame de la mort. Yes. Elle est dans le boîtier, c'est ça? On dirait Kuro, mais en femme. Une femme ou... Mec, j'ai du mal à voir c'est quoi. Mais j'ai pas écouté, attends. On va refaire le dialogue parce que j'étais perturbé par le personnage. C'est quoi? C'est une enfant? C'est une enfant, c'est une petite fille. Mais avec des cheveux blancs déjà. Attends. Je sais que les japonaises ne vieillissent pas, mais... Mais quand même, c'est une enfant. Oui, c'est une enfant. Une fille. Parce que sûr que c'est une fille. Parlons. Parce qu'elle a un corps vachement grand pour une... Après, elle est assise sur ses genoux. Bref. Yes, je veux Excalibur. Le lancer il me met en PLS, oh, je cherche pas. Alors, attendez, je vais me moucher. Parce que sinon je vais péter un câble. Et je vais pas cliquer sur oui tout de suite parce que sinon je vais pas pouvoir lire pendant que je me mouche. C'est bon ma grande, tu peux continuer. Oui. Lancier, c'est vrai qu'il est chaud. Wakarimashita. L'âme de la mort. Ah bah c'est bon. On est décédé. Ah bah GG, on a fini le jeu. Nice, c'est terminé, parfait. GG à tous. Et merde. J'ai un nouveau katana, j'ai un nouveau jouet, j'ai une arme plus forte. Ce serait cool hein, que ce soit notre nouvelle arme. L'âme de la mort, un odachi capable de tuer... Oh, en plus j'adore les odachi, capable de tuer ceux qui ne peuvent pas mourir. Sa lame rouge prendra la vie de quiconque la dégaine. Elle a longtemps été cachée au temple Senpo. Nul ne peut maîtriser la lame de la mort sans pouvoir de résurrection. Son nom est inscrit sur l'arme, don des larmes. Mais du coup, je peux plus ressusciter quand j'utilise. Je dois l'équiper. Comment ça marche? Déjà, on va être marionnettiste pour voir ce que ça fera. Sortie mortelle. Ah, bah, c'est là, c'est ça? Parce que ça, j'avais pas. Hein. Art du combat appliqué avec la lame de la mort. Ah, mais c'est une compétence. Coup spirituel 3. L'épée jaillit vers l'avant et tronçonne les ennemis dans une traînée rouge-noire. Un coup extrêmement puissant. La technique utilisant la lame qu'on ne dégaine pas n'est possible que pour les combattants liés à l'héritier divin. Oh. Oh, c'est vraiment pas aussi bien que ce que je pensais. Hein. Je pensais que ce serait une vraie... Oh, je suis déçu. Et du coup, vous faites quoi dans la vie? GG Wellplay, c'est ça. Malheureusement, faut continuer à jouer. Oh, tu vas me le dire? Ah non, c'est vrai, pour gagner. J'ai deux katanas sur moi. Mm.
竜院を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとは、異なものですね。私は、落ちの巫女たちの一人、品津の愚道者たちが作り上げた、偽りの竜院を持つものです。巫女たちとは？まともに育ったのは私だけ。他の皆は、 Les vieilles femmes nulles qui meurent pas, c'est... Oh là là. Du riz. Ah, oh, j'ai deviné direct, il y a la vieille qui veut du riz. Riz, du riz donné par l'enfant divin de l'eau de jouvence. Il restaurait progressivement la vie pendant un temps. Bien qu'il ait été créé par l'homme, les enfants divins ont toujours le pouvoir de l'héritage du dragon. Le sang favorise une bonne récolte, le riz est précieux. Non seulement il restaure la vigueur, mais il devient de plus en plus doux au fur et à mesure qu'on le mâche. Du riz, quoi. Je peux me donner du riz à l'infini. Donne plus de riz. Demander du riz, sérieux? Ah, je pourrais en demander plus quand j'aurais mangé le riz. Bah, je vais donner à la femme du riz et je reviendrai demander du riz. Je crois qu'il faut juste pas avoir de riz sur soi et peut te donner du riz. C'est cool. Inventaire. Du coup, j'ai du riz. Riz. Ouais, faut donner le riz à une vieille. On va donner le riz à la vieille. Mais du coup, maintenant, je peux assassiner les gens. Attendez, ça mène où ça? Ça mène au rêve où il y a les singes, c'est ça hein? Yes. Mais ça sert exactement à rien. À part à parler aux vieux. Pourquoi je peux plus? Ah, c'est bon. Le bouton n'apparaissait pas. Je vais juste me reposer pour regagner mes trucs. Yes. Du coup. Alors, j'ai juste envie de te péter ta. Ah, je peux pas, ça bougie. Si, si, en sautant. Oh non, je peux pas. Dommage. Je voulais lui manquer de respect. Merde! Oh merde, pardon! Ah, je suis désolé. Je voulais pas tout casser. Ah, pardon! Oh, vraiment, toutes mes confuses. Laisse-moi courir le jeu, là. C'est bon. C'est trop stylé d'avoir un katana dans le dos. Un odashi. Du coup, je peux one-shot ces putes. Ok, il y a un deuxième point d'assassinat. Oh mais putain, elle repop pas j'espère, hein, parce que c'est vraiment dégueulasse. Hein. Oh là là, ça me dégoûte. Bon, on va les tuer. Hein. La lance a l'air de bien marcher, parce que je peux pas être trop prendre de temps à réfléchir. Heureusement, elles disparaissent carrément. Hein. La canon noire. Yes, yes, on ira au. Mais là, j'ai le truc, c'est que j'ai tous les items. Il me fallait la fleur et l'épée et l'épée de la mort. Du coup, il y a moyen qu'en allant au hub, ça trigger
voilà, suite du jeu slash la fin. Après, je sais pas vraiment si c'est la fin, mais je pense tout de suite que ça se finisse. Alors, je vais continuer à faire tous les trucs secondaires que j'ai pas encore fait. Là, pas mal. Faudrait qu'on aille tuer 100 têtes aussi à un moment. Non, mais. Attendez, déjà, vous pensez qu'ils reviennent si je me repose? Si elles reviennent, j'arrête. Hein. Putain, mais elles reviennent, mais t'es sérieux, ça sert à rien ce que je fais. Moi, je voulais les nettoyer pour toujours, hein, ces putes. Ça sert à rien. Y'a un loot derrière eux ou pas là? Sinon là ça sert à rien. Hein. Peut-être qu'elle va me looter un truc spécial, elle. Plus qu'une autre. Pourquoi je suis plein de... Ah, je suis tout sale. Non. C'est bon, je suis propre. Eh, je vous jure. Hein. Bon, il faut juste me mettre des trucs dégueulasses comme ça. J'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo. Oui. Ouais, du coup, voilà, il reste des trucs à faire. Par exemple, cette route. Il faut que j'aille voir la vieille en bas qui voulait du riz. Il y a aussi un gros qui voulait un truc, je crois. Allez, avant de continuer sur cette route, je me rappelle qu'au fond, il fallait sauter dans une caverne. On va aller voir la vieille qui veut du riz. Alors, attends. La vieille qui veut du riz. La vieille qui veut du riz. Ah, merde. Oh, pardon, les mecs. Voyager. C'est là, non? Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Ou alors en allant par derrière. Attendez, là, j'étais où, là? Non, non, là il y avait le bout de la falaise que où je savais pas comment y aller. C'est ça qu'il y avait. Ouais, il y avait. Voilà, on voit qu'il y a un loot en bas. Là il y avait ça déjà. Ici il y avait un loot que j'avais raté. Du coup, on va réfléchir à comment y aller depuis ici. Comment on y va? Ah bah voilà. What the fuck? What the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qui j'ai tué ou qui j'ai pas tué? Oh là là, vas-y, je comprends rien. Ah voilà, faut sauter ici à gauche, je crois. Oh là là, mais le jeu. Pourquoi pas? Pourquoi y a un fantôme qui m'attaque? Qui est-ce qui a vu sa vie s'arrêter à cause de moi par 1,5 milliard dans le jeu? J'ai rien fait, moi. Ouais, c'est bien et bien là, mais je vois pas l'item. Oula. Ah, c'est par là. Oh, ce qu'il y a à gauche. Mais il est où l'item là? Il était super visible et maintenant on le voit plus. Dans la game, j'ai le boss du rêve, à qui le lancier. Le boss du rêve. Ah oui, la papillon.
Mais pourquoi c'est de... Pourquoi il y a eu un croix, je pouvais pas m'accrocher. Oh là là, c'est le jeu vidéo. On va s'accrocher là où il veut. Ah, vas-y là. Agrippe-toi, please. Mais je peux pas. Pourquoi il s'agrippe pas? Je saute peut-être du mauvais endroit. Non, ça me paraît logique de sauter depuis là. Prends pas. Et pourquoi un mec m'a attaqué là? Ah, au secours! Le mec, c'est Sekiro vs la gravité là. Faut prendre par où faut passer. Oh, franchement, j'allais d'aller même sauter là-bas. Hein. Au pif, ça m'a. Hein. Yes, c'est passé. Ah, tu voyais. Facile, hein. Comment ça? Merde, c'est des neckos, c'est vrai. Pas des geckos. Pourquoi j'ai fait ça? Le gecko est à moi! C'est mon meilleur ami, le gecko. Mais il fait du poison pour moi aussi, ce con. Arrête! Là, j'ai un pet. Je suis vraiment un summoner. Y'a rien à dire. Et comme je désinvoque Garuda, je peux désinvoquer mon pet. Génial. Respect, hein, y'a rien à dire. J'ai mes principes de mage. Comment ça, Grail? C'est quoi ça? Moulin à vent blanc. C'est un simple moulin à vent blanc pur. Seul l'enfant est là. Un petit moulin à vent. J'ai trouvé un autre moulin à vent, je crois, l'autre fois. Qui était orange et pas blanc. Le meneur dans l'âme, c'est ça, hein. Des geckos. Ah mais c'est génial, hein, tous ces petits recoins. Faut juste pas oublier quand on voit quelque part une petite cavité ou quelque chose que 100% on va pouvoir y aller à un moment. Ah, une petite maison. C'est quoi? Oh putain, je sais où on est. C'est la zone qu'on peut accéder au tout début avec la cloche. La cloche est juste là en haut. Là, il y a la cloche. Oh mais putain, quel jeu magnifique. Quel jeu splendide. Et je me demandais même comment on fait pour aller de l'autre côté. Oh là là. Et là, bam, alcool de singe. J'en ai deux maintenant. Bourse, mon gars. Les bourses, faut pas croire, c'est très bien, c'est 500$. On peut à chaque fois se dire, oh, c'est qu'une bourse, parce que c'est pas un truc craqué, mais en fait, c'est très 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 bien. Putain, mais mec, c'est... Tu vois, quand tu... Dans ces moments-là, où tu arrives à l'endroit que t'avais vu, que tu disais, oh, c'est... Le sentiment que t'as, il est trop agréable. C'est trop cool, le jeu, pour ça. Surtout quand tu savais pas et que tu le découvres, quoi. Mais du coup, attendez, j'ai toujours pas trouvé l'item qui était sur le rebord. Hein. Ça, c'est ça, par contre, tu vois un peu la baise. Ah, je peux arnaquer, yes. Alors. Bon, là, il y a une branche, je peux nigiri, voilà, je peux nigiri. Ah bah, c'est celui-là. Bourse, bon. J'allais encore dire que je me sens baiser que ce soit qu'une bourse, mais en vrai, c'est bien. 500$, c'est bien. Mais du coup, je peux retourner dans le jeu depuis là, ça. Genre, je peux sauter jusque là. Bah non, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est pas... Ça Assassin's Creed vite fait, le jeu. Faut pas déconner. Ah, mais il peut s'accrocher depuis un rebord. Mais il y avait sans doute un autre crochet et que j'ai pas vu. Je suis bête. Pardon. Il y a sans doute une autre branche et vu que je regardais pas en haut, j'ai pas vu le trigger. Ou alors il est apparu et j'ai juste pas vu. Ah
Ah non, non, pas du tout. J'ai spammé, j'ai regardé, y avait rien. Mais du coup, c'est... Comment ça marche? Va servir à rien. Alors un truc que je ne vois pas. Or, c'est l'inverse, c'est pour venir ici. Après, j'ai trouvé tout ce qu'il faut, je vois pas pourquoi je me casse les couilles. Hein. Il y a cette petite arbre tout seul là. Tant que j'ai des popos, let's go. Hein. Mais y'a rien! Non, justement, dans la caverne de 100 têtes, c'est ça que je disais, attends. Merde. On va y aller et je vais vous montrer ce que je disais. Parce que c'est vrai que c'était au tout début du jeu qu'on a vu ça. Je sais même si je remontre, mais. On pourra aussi essayer de se taper sans tête, why not? Parce que maintenant qu'on a un passage qui marche mieux, voyager. Enfin, on l'avait déjà, mais bon. Ici, en fait. C'est. Tu peux y accéder dès le début du jeu. Mais la porte est fermée vu qu'elle s'ouvre que d'un côté. En fait, là, t'as un connard à gauche. Même que le mob m'avait choqué la première fois que je l'avais vu. J'étais en mode, ouais, c'est quoi ce mob? En fait, il était gratuit. Et là, bam, passage secret dans le mur. Et t'atteins direct la zone de 100 cœurs, de 100 âmes, de 100 têtes. On peut essayer de se taper sans tête. Hein. Il faut quoi pour le taper? Il faut, je crois... On va prendre un sucre pour avoir des dégâts. On va prendre un confetti. Non, le confetti, on le prend en dernier. Une résine anti-hyper. Allez, on va essayer de se le taper. Et un... des confettis. Allez, hein, j'ai pas envie de me foirer, du coup. Mais arriver d'ici, c'est nul, non? Je peux lui faire moins de dégâts. Je sais pas s'il m'a repéré déjà. Ah putain, il m'a déjà repéré. J'aurais dû l'utiliser avant, non? Non, je vais essayer de venir de l'autre côté plutôt. Comme ça, il me repère pas. Ah, mais du coup, ça sert à rien. Maintenant, il est trigger, non? Je sais pas. Là, j'ai déjà été, mais dans le fond, on va comment? Bah, faut juste bypass le boss, tu vois. Il va juste en mode. En mode, j'y vais sans y aller, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est chiant, là, il est déjà trigger. Mieux vaut que j'utilise. Attendez. Je vais y aller depuis le feu. Il me donne accès depuis ici, tu vois. Parce qu'au début, il bouge pas et il est accroupi. Comme ça, je peux peut-être lui mettre quelques coups sans danger, j'allais dire. Sans me prendre la tête. Merde, je sais plus comment on revient. Ça y est, je suis perdu. En fait, je peux pas. Attendez. C'est trop compliqué. Dites pas que j'ai utilisé un sucre, mais je suis un fils de pute. Dernière idole utilisée. Yes. Je sais vraiment plus comment ça marche, les boutons. Je suis trop bas. Et là, ils me mettent le tuto d'utiliser les objets. Merci, le jeu. Quoique, je peux aller direct depuis ici. J'ai la flemme, en fait, là, de réfléchir. Après la bêtise que je viens de faire, j'ai la flemme de réfléchir. Il faut que j'utilise avant qu'il me... avant que je... Ouais, qu'il m'a déjà trigger. Mais si, là, il est déjà trigger. Parce que si j'ai pas parlé à un... Temple. J'ai pas parlé à un... À une statue. Mais je crois que quand tu voyages, ça reset tout le monde. De toute façon, c'est comme parler à une statue. Dans le fond d'Achina, je parle où tu étais hier, que tu as dit on ira plus tard.
Non, non, il trigger pas directement. Tu veux que je te montre si tu ne crois pas. Dans le fond d'Ashina, je sais pas d'où tu étais hier. L'endroit où j'ai plongé dans le vide. Où on peut sauter dans le vide, tu veux dire les tréfonds d'Ashina là. C'est dans le château d'Ashina, je te montrerai après qu'on le fasse lui. Je crois que c'était depuis... Depuis là. Là, je suis perdu. Ah oui, si c'est ça. Là, je me rappelais déjà plus de la zone. Mais comment la caméra peut me baiser comme ça, vous? J'ai fait un demi-tour sur moi-même. Un passage par là. Bon, il est plus long, du coup, il est forcément plus chiant, mais c'est un passage quand même. Du coup, c'était par où après? Merde. Par là? Yes, par là. Tu vois, il est là, il se gratte le cul. Tu vois qu'il trigger pas tout de suite. Alors, on va utiliser les trucs. Et on va essayer de le bourrer. Merde. Je vais reprendre un confetti, juste au cas où. Merde, il m'a terrorisé. Mais je suis vraiment con. Oh, je crois qu'il faut que je reprenne un ça. Merde. Reviens ici. Mais bon. Lui sans les items, ça c'est chiant. Bah je sais pas, je suis content. J'avais pas envie de farmer des items parce que je déteste ça si c'est pour farmer des boss. C'est pour ça que j'ai pas aimé farmer les fioles dans Bloodborne. Mais bon, c'est passé, tant mieux. Bonbon béni d'Akko. Un esprit sans tête qui s'est imprégné d'Akko augmente temporairement les dégâts de vitalité et de posture, peut être utilisé à répétition en dépensant des emblèmes spirituels. Ok, c'est un buff PV et posture infini qui prend des emblèmes. C'est que ça, c'est très bien. Les sans-têtes, parce que t'as pas besoin de le farmer. Les sans-têtes sont les ombres des héroïques défenseurs du pays qui ne s'étaient pas montrés parfaitement honnêtes dans la vie. Emparez-vous de la puissance de cet esprit en lui donnant le repos. Mais méfiez-vous de son courroux si vous n'offrez rien en retour. Mec, j'ai offert des... J'ai utilisé des items. Hein. C'est la première fois que je me fais chier comme ça dans le jeu, alors... On va pas dire que j'ai pas offert des trucs. Avec quoi la longue vue? C'est bon. Pas parfait. En fait, ce qui rend le fight simple, c'est que en le tapant avec l'épée anti-fantôme, ça dissipait les ténèbres autour de lui. Du coup, on pouvait se déplacer. Putain, mais ça dure tellement pas longtemps. Ça rend des radins sur les armes. Bref, on veut retourner parler à la vieille, qui était pas du tout là où on est allé du coup. Attendez. Merde. Je voulais lire le papier. Ça c'était pas une porte. Hein. Pourquoi je suis nu ici, je suis bête. Il me faut juste un point de TP. Prends l'argent.
J'ai 1851. Eh, faut faire quelque chose avant de perdre nos. Hein? Compétences. Ashina, d'Ishina là. Ça coûte 5. Croix d'Ashina. J'ai bien envie d'avoir une technique où t'as l'arme dans le fourreau avant de le faire, c'est cool. Du coup, je vais attendre. Non, je peux augmenter ma puissance d'attaque avec le rêve des singes. Putain, puissance d'attaque niveau 6, ça c'est cool. Donc je... Est-ce que j'ai des mecs qui m'aiment pas? Je pense pas, hein. J'ai plus de peste du dragon. Hein. Non, j'en ai pas. Non, il va me dire aucune... Voilà, personne n'est malade. Faut que j'améliore mon bras. Du coup, on va faire ça vite fait. On va aller voir la vieille qui veut du riz. Pas que j'oublie cette vieille. Pas que j'oublie la vieille. Graines de gourde. Si j'ai des graines de gourde, j'irai pas les donner. J'ai pas envie de retourner voir Emma tout de suite. Sinon, on va parler aux petits et c'est la merde. J'ai 10 points d'upgrade à clear les zones. Putain, mais t'as clear la zone, t'es pas obligé. Hein. Tu peux passer en sneaky tout autour pour lui mettre un coup, tu clear rien du tout. Tu tues juste le mec et sa casserole et un garde. Mais j'avoue que c'est beaucoup 10 points. Vraiment beaucoup. Présenter la prothèse de Shinobi. Pourquoi je fais ça? On peut améliorer le vent. Je comprends pas à quoi ça sert ce truc. Un grand évateur est doré qui crée un grand tourbillon de vent. Coup d'énergie spirituel. Rassembler beaucoup de vent et déchaîner les pour forcer les ennemis pris dans le vortex à regarder dans l'autre direction. Peut-être utiliser deux fois à la suite. C'est une petite possession divine dont on revient rapidement. Cependant, ceux qui ont déjà subi cet effet ne peuvent plus être affectés. Oh. Double possession divine. On upgrade quoi? Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise rien, ça le truc. On va upgrade ça pour le fun, allez. Que ça me donne accès au feu amélioré. Qu'est-ce que je peux encore faire avec mon argent? Je devais pas acheter des trucs super importants. De toute façon, j'ai des bourses. C'est vrai que j'ai le doigt, jamais je vais utiliser le doigt. Ça fait quoi le doigt? Ça attire l'attention. Quel autre PNJ? On va parler à quel autre PNJ? Ça attire l'attention de l'ennemi et le fait venir là où le sifflement a été entendu si on vérifie une cible. Oublie pas d'arrêter de pas spoil. Hein. Par c'est un truc que j'avais l'intention de les faire et que j'ai oublié. Ah, tu veux le PNJ avec qui je m'entraîne? Ça, on peut lui parler. Ouais. Pas de problème. J'ai juste envie de gaspiller mon argent pour quand je meurs. Mais je sais plus si les vendeurs, j'avais un truc à acheter, mais je crois pas. Hein. Je crois pas que j'avais un truc à acheter qui coûte cher. Non, je crois pas. Hein. Y'a rien qui m'intéresse, hein, je vous jure. C'est quoi ça? Lancer de scène, mais je vais pas jeter mon argent à la gueule des mobs. Si, si, ça peut être un spoil de venir de parler à un PNJ. Hein. Et je sais, c'est dur à comprendre. De toute façon, le spoil, ça reste subjectif. Hein. Si la personne elle considère que c'est spoilé, lui dire ça, hein, c'est que c'est spoilé. Y a pas une loi écrite dans, gravée dans la roche en mode c'est comme ça et point barre. Hein, tu vois, j'aurais dû penser tout seul que on peut aller lui parler alors qu'il peut mourir pour de vrai grâce à mon épée, tu vois. Tu vois, c'est du spoil. Si j'y avais pas pensé, je l'aurais jamais fait, tu vois. Du coup, ferme ta gueule. Mais bon, je vais dire. J'ai même pas tilté que c'était pour ça. No problemo, frère. C'est un vrai combat. Il va me voir où?
Le bot est actuellement vide. Bon. Parce que si j'y avais pas pensé, bah je l'aurais pas fait. Et du coup, ça compte, tu vois. C'est mon aventure, c'est ma façon d'aimer. Du coup, c'est important aussi que ça compte mes choix. Rien de la gourde. Ah mais j'avais déjà acheté, du coup, on s'en fout. Ils vendent des sucres, hein. C'est intéressant. Oh, non, j'ai des trucs, j'ai pas besoin d'acheter. La vieille. La vieille qui veut du riz. Après, ça c'est pas très grave, on s'en fout, hein, c'est pas. Mais quand même. Du coup, c'était pas là. Non, c'était pas là, c'était là. C'était pas là, c'était là. C'était pas là, c'était où? Il n'y a pas beaucoup de points de sauvegarde, de toute façon, ça doit être celui-là, hein, l'entrée du temple. Enbei l'immortel. Vous pouvez trouver juste à côté du temple. Immortel, yes. Mais non, c'était pas là, putain! Ça, c'est le pont. J'ai perdu ma vieille. C'est ça l'entrée? J'avais pas reconnu parce que le point de sauvegarde était dans un bâtiment, mais c'était peut-être le cas en fait. Si, si, on arrivait et puis on voyait la montagne d'ici. Donc ouais, ouais. La vieille était en bas. Pas du tout. Il y avait le gros en bas déjà. Lui, il voulait que je lui donne un moulin à vent, non? Minani, oit ma shiroi ohana. Blanche pure. Sadoko ni. Donnez le moulin à vent rouge blanc, donnez le moulin à vent blanc. Bah, vent blanc. Ma shiroi ohana to wa kore ka. Sore wa. Il est content. Oh, omoidashita zo. Mina. Mina wa Ochi no Miko sama tachi. L'enfant qui m'a donné l'épée? Nando. Ora wo kami kakushi shicha kurenai kai? Nanda to? Ora, jitsu wa shitteru nda. Anta wa shinobi nan daro? Yes, mardi Mugu. Escamoter quelqu'un? Kamikakushi shita saki ni kitto mina ga iru. Mina no moto ni ikaneba nanne. Nanise ora wa na. OK. Yoshi, sore ja. Que je le tue? C'est stylé. Attends d'avoir un item qui sert à quelque chose. Sans doute le doigt ou... ou les plumes du corbeau, quoi que ça doit être ça. Hein. Un truc pour l'envoyer loin. Je sais pas, ça qu'il veut qu'on fasse. Ah bah ouais, c'est ça. Et ça fait disparaître les ennemis ce truc? Attends, on va tester sur le... Je comprends rien. J'ai dit, il y a qu'un shinobi qui peut, du coup j'allais juste utiliser les bazars, mais... Ça fait quoi? Comme ça les ennemis sont plus là. Le mec fallait me dire ça plus, fallait me dire ça avant. What the fuck. Le mec, le jeu est easy. Vous nettoyez toutes les zones. Ramenez-moi tous les ennemis que vous voulez, moi j'ai mon nuage magique.
Et c'est bon. Ah merde. D'ailleurs, j'ai pas un meilleur ressort maintenant. Longue étincelle. Putain, regardez-moi ce rouge brillant. Faut que j'aille dormir, j'ai plus de... Ah, quoique, attendez. Lui. Oh, pourquoi je le tuerais, lui? C'est vrai qu'il y a ça en haut aussi. Ça, j'ai toujours pas compris ce qu'il fallait faire avec. Mais peu importe, faut aller voir la vieille déjà. On a toujours pas parlé à la vieille depuis tantôt, je sais ce que j'ai envie de faire. Lol, mais t'as vu le mec, je les ai fait disparaître. Si vous arrivez, je lève la selle où je suis. Lève. Ah, tu livres, tu veux dire. Yes, on verra mardi. Hein. On verra mardi. Moi, faut que je me rabonne au jeu, putain. Mais mon abonnement il durera même pas assez pour être en juin vu que c'est 2 mois, c'est vraiment de la baisse pour moi. Du coup moi c'est comme payer mon transfert. Autant transférer plus tard peut-être, je sais pas, on verra. En tout cas je vais quand même faire une petite soirée peut-être dimanche sur FF histoire de faire les 2-3 quêtes qu'il y a. Comme ça après on est tranquille. Ou alors j'aurais pu les garder pour l'extension si c'est le prologue, je sais pas. Genre la veille de l'extension et puis enfin la veille et merde genre 2 jours avant. Salut. Non mais je fais que passer, je suis un shinobi, don't worry. Salut les amis, cette île est un vrai paradis avec tous nos amis, le soleil gris sourit au pays des kangourous, on s'amuse comme des fous, maman est géniale, poly original. Il y a qu'un sacré animal. Nanana. Avec vous. Toi je te tue maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? T'apprendras à m'avoir fait flipper tantôt. Et les mecs. Ils peuvent pas sauter les mons. Bon je vais me mettre là vite fait pour... Oh. Il y a un arbre magique pont. Alors là pour aller là-bas. Bonne chance Billy. Hein. Et un loot. C'est bon, ils ont arrêté de me suivre. Je peux aller parler à la vieille qui veut du riz. Merde, comment je fais pour remonter? Oh là là. Voilà. Madame, tout le monde m'attaque. Elle voulait pas du riz, là, elle me parle de fruits. Peut-être confondu. Oui, je peux pas aller là-bas. Alors. Parle plus vite. Le riz, voilà. Donnez le riz. Le riz de l'enfant divin. ありがたや。お告げを頼む。生がきを欲するならば。 Regarde l'appareil de cerf-volant avec marionnettiste, c'est pas trop compliqué. くぐつまわしとは
Moi je vois ce qu'elle veut dire, t'es pas très intelligent. En gros faut que je marionnettise le mec. Ok j'ai compris. C'est génial. En gros si on marionnettise le mec, j'imagine que si je commence à rouler le truc, lui il va faire la même chose que moi et va tenir, je sais pas. Puis je peux utiliser le cerf-volant pour traverser. Ça a pas l'air très compliqué à comprendre. Et pourtant, certaines personnes mettront 10 000 ans à faire le rapprochement. Mais voilà quoi, c'est la différence. Hein. J'ai dit ça et puis tu vois, c'est pas ça. Je suis là, yes. On va prendre un. Pas mourir. Meurs. On va pas marionnettiser ce mec. J'ai le bon ninjutsu, hein, yes. Faut que je fasse un meurtre caché. Du coup, c'est sur lui 100%. Il est là exprès. En plus, il bouge pas, c'est parfait. Voilà. Là, je lui mets la main dans le truc et du coup, je fais ça pour qu'il le fasse à ma place. Ah, mais je peux pas. Ah, mais il y va automatiquement. T'as même. Oh, ok, d'accord. C'est genre programmé pour qu'il le fasse. T'as même pas besoin de faire croire au jeu que tu sais le faire. Et du coup, je dois aller de l'autre côté avant qu'il le lâche. Mais mec, j'aurai jamais le temps. Ah maintenant il maintient, faut que j'y aille avant que mon pouvoir s'estompe et qu'il meure. Et merde. Oh. Le pouvoir disait que ça dure pas des plombes non plus. Hyper vitesse. Merde. Oh, j'ai tellement voulu l'assassiner ce mec, je sais pas pourquoi. Pas besoin de lui parler, je pense. Quoique. Ça servait à rien. Du coup, c'est l'arbre. J'avais même pas remarqué la première fois. Hein. Ah bah, c'est bon. Le truc est toujours là. Oh le jump. C'est beau. Plein de boutelles, je sais pas quoi. Et du coup ça m'amène à l'antre du serpent pour avoir des fruits. Génial. C'est pas où. C'est pas là. Faut un petit saut de la foi quand même là. Faut avoir une branche qui va R2 là. Hop. Yes. Ah encore. Ah non. On était pas obligé d'encore. Merde. Je voulais rater là. Merde, il y avait un item, mais je suis un connard, j'ai envie de refaire. Oh. Que je refais vraiment. Il y avait un item, on est d'accord. Hein. Je vais en avoir le cœur net, hein. Pas très long, c'est pas très long. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des zones optionnelles que j'ai ratées à part le. Il est encore là-haut là ? Il est encore en train de. On a mis le. Non, non, il. Je tiens plus. Ah, il est en haut de base maintenant. J'ai l'impression. Pour pas qu'on se fasse chier quoi. Bizarre. Par contre, on va pas jouer longtemps à ce jeu. Parce que. Hier, j'ai craqué. Et je suis quelqu'un qui adore les jeux de gestion et tout. Et je me suis pris Satisfactory et j'ai voulu le lancer après que j'ai joué à Sekiro, mais j'étais trop fatigué, c'était la raison pour laquelle j'avais arrêté Sekiro. Je me suis dit vas-y demain j'y joue. Et là quand après avoir mangé et tout, j'étais trop en mode on lance Sekiro. Mais j'ai aussi envie de jouer à Satisfactory. Juste parce que ça a l'air trop bien. Échange, je vais en parler à un pote qui adore ces jeux, je suis sûr il va le prendre aussi, on va pouvoir jouer à deux. Mais j'ai d'abord envie de faire une petite session solo, voir un peu ce que ça donne. Voir si ça me plaît quoi.
J'ai pas joué encore. Hier, j'étais trop chaud pour y jouer. Mais je me suis dit, allez. Parce que c'est des petits jeux que, en général, je peux faire sans même. Ouais, il y avait un item, non? Parfait, ça pour rien. Des fois, il y a des petits jeux que je joue. Ouais, je les stream pas forcément. Genre là, récemment, j'ai installé un petit émulateur NES sur mon téléphone et sur mon PC portable. Enfin, sur mon téléphone, non, que je raconte. Sur mon téléphone, je joue à des bêtes de téléphone. Sur mon PC portable, j'ai confondu mon PC, le PC portable que j'ai avec un téléphone, quoi. Pour te dire le respect que j'ai pour ce PC. Animateur NES et je rejoue à des petits jeux NES au pif, tu vois. Même si je pourrais... Mais mec, je suis revenu ici pour rien, en fait. Je déteste ma vie. Genre, je pourrais les streamer aussi, en vrai, mais bon. Pas faire tous les jeux qui existent en stream, c'est impossible. Et jouer dans son coin de temps en temps, ça fait plaisir aussi. Comme les Pokémon, je les stream pas, vu que j'ai pas la DS qu'il faut. Mais ça me fait plaisir aussi d'y jouer dans mon coin. Bref, je l'avais pris juste pour y jouer dans mon coin, mais je me suis dit en vérité... Let's do it, man. Pas ça après. Là, je sais pas s'il est encore long le jeu, si je peux le finir là maintenant ou pas. Mais il y a encore plein de zones que j'ai pas fait, le trou sans fond, ce qu'on vient de découvrir. Caverne de la vallée engloutie. Ah mais non, on a déjà fait la vallée engloutie, si ça se trouve c'est un raccourci, mais on y est déjà allé. Après c'est bizarre hein, qu'une énigme t'amène dans un endroit facilement accessible. Tu dis à quoi sert l'énigme quoi. Ballon de Mizu. Rien. Ah c'est Mibou, depuis toujours j'appelle ça Mizu. À cause de JVTV je crois. Faut faire quoi? Faut sauter dans le vide? Oh putain! Oh yes! Let's do it man! Oh non j'ai raté! Fallait mieux sauter, attendez. C'était ridicule hein, ce que j'ai fait. Snake! Ah Snake! Imana! Snake! Que se passe-t-il, Snake? Snake! Snake! Tun 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 tun. Rest in peace, man. Genre, je serais mort une fois comme un con à le faire. Enfin, je suis pas vraiment mort, j'ai juste respawn, mais bon. Viscère de serpent frais, mon gars. C'est un cœur, ça, carrément. Le cœur d'un grand serpent qui évoque une plaque mine. Le grand serpent est le dieu de ces terres et son cœur... Regardez, encore le sang du serpent en stance dans l'air. Le grand serpent est le dieu de ces terres et son cœur est l'organe dans lequel son esprit réside. Sa forme évoque le plaque mine, mais c'est en fait l'organe d'un dieu. Manger un organe divin empoisonne probablement le corps humain, les corps humains. Ouais, j'ai fait ça, le pauvre serpent. Oh, je suis ensanglanté, regardez. Oh, man. Ça met des screenshots, je sais pas comment on fait des screens dans Steam, mais je crois que c'est F12. Je vais vérifier. Je me rappelle même plus. Paramètres. Peut-être mettre pause, sinon le sang va disparaître. Merde, je suis plus dans le jeu. Merde, je sais plus mettre pause. Ouais, je sais plus mettre pause. Qu'est-ce qui se passe? Merde, je suis tombé de ma stature trop stylée. J'ai foutu la merde hein, dans le petit truc que j'ai voulu faire. Ah non, je peux y retourner. Moi, je peux plus mettre pause. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, ça y est. Ça y est, c'est le bordel. Ça y est, j'ai réussi à tout niquer. Ah si, je peux remettre pause. Bah voilà. Comment je fais des screenshots encore dans Steam?
paramètres. Interface. Dans un jeu. F12. Ah bah c'était bon. C'est génial. Bah du coup j'en ai fait un et c'était bon. Je me rappelais bien de la touche. C'est vrai que je suis au temple Sempo. Ah. Le temple Sempo qui est cool. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Oh, parfait. C'est ça, voilà, comme ça, avec le serpent dans mon dos. Qu'est-ce qu'il est beau. Eh ben, oh, en plus, il y a tout le sang du mec sur la montagne, mais mec. Oh, le pauvre serpent, qu'est-ce qu'on a fait? En plus... Franchement... Hein. Ah, d'accord. Je suis pas vraiment mort. Fuck. Il y avait encore des trucs en haut que je voulais récupérer. Ce que je voulais dire, c'est que en plus, le pont là qui était brisé, c'est le pont que tu traverses la première fois que tu arrives dans la zone et le serpent te défonce et tu tombes dans l'eau comme je viens de faire. Mais j'ai pas envie de tomber dans l'eau. J'ai envie de continuer sur la petite truc. Mais maintenant, le truc, c'est que j'ai l'impression que je peux plus y aller à l'endroit où j'étais. Vu que j'ai plus le serpent pour faire la cutscene de fou. Comment je fais maintenant? Est-ce qu'il y aura un grappin, quelque chose? C'est ça le truc. How do I do, man? Ouais, c'est baisé. Je peux plus aller là-bas où j'étais. Et il y a un loot que j'ai perdu pour toujours, c'est ça? Il y a peut-être un R2 à faire. Non, il y a rien, mec, c'est perdu. Comment je fais? Tout ça parce que j'ai glissé. Il est sérieux ce jeu nul? Non, le jeu peut pas être aussi nul. Pas possible. J'y crois pas. En plus, il y a des petits trucs qui me ciblent. Je peux pas être aussi caca. Il y a 7 personnes qui ont la peste. Comment t'as fait pour avoir 7 personnes qui ont la peste, mec? Je crois le maximum que j'ai eu, c'est 2 et c'est au tout début du jeu. Ouais, guéris-les. Sinon, en fait, s'il reste avec la peste trop longtemps, il meurt. Parce que j'ai eu les deux premiers PNJ que j'ai eu, je les ai pas soignés, ils sont morts. Mais après les autres je les ai soignés et t'as plein de gouttes du serpent que tu trouves. Après je crois que la vieille et son fils ils doivent mourir de toute façon. Son fils est ensanglanté et... Mais les gars c'est la baisse de dingue. Mais ce jeu. Mais non mais mec. Like really bro. Ça m'énerve, fou. Je vois que je peux y retourner via en bas avec l'eau. Avec y a des branches, tu vois. Mais c'était où cet endroit de merde? C'était où cet endroit de merde? C'était la vallée engloutie. C'était la vallée engloutie, rappelle-toi Yann. Vallée engloutie. C'est pas loin de la vallée engloutie, y a un truc. Ah, je suis un peu deg, hein. Ouais, en outil, c'était lequel? Là, je suis genre caverne de la vallée engloutie. C'était où le début du pont? Vallée sous l'hôtel. Voilà, vallée sous l'hôtel. On va tester chaque truc. Il y en a bien un qui est à proximité de la flotte. I have no fucking idea where am I. J'ai aucune idée d'où je suis. Tain, moi pour moi j'ai perdu, hein. Je suis incapable de retrouver là où j'étais. Hein. Mais pourquoi il y a des samouraïs noirs qui pop comme ça au pif maintenant? Je comprends pas, c'est quoi ce délire à fou? Le pire c'est qu'ils me dérangent pas, ils sont zéro mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? À part tuer tout le monde. Je veux dire, eux aussi ils tuent tout le monde, c'est comme ça que ça marche, non? Genre c'est normal, tu vois, c'est le métier, tu vois, on tue, ils tuent, on tue tous, quoi. Qui est-ce pour juger maintenant, tu vois?
Eh mec. J'avais pas à me baiser hein. Ils m'ont vraiment pris pour un Nova. Ils se sont dit ouais on est deux, on va le bourrer. Niquez-vous bien. Eh les gars, je crois que j'ai perdu hein. Je sais pas comment aller là où j'étais. Hein. Je perds mon temps là, mais mec, oh là là, ça me saoule. Faut que j'y pense de manière en 3D, genre où est l'endroit le plus proche de là où j'étais. Mais je sais plus où c'était, tous ces délires. Je sais plus comment je suis allé vers ce pont qui s'est écroulé. Mais j'en peux plus! Non mais laissez-moi un V1 putain. Mais je me suis pas. Ah fou, il m'énerve. Il m'énerve parce qu'ils sont zéro à fou. Si ils sont plusieurs, ça me saoule. Non, en plus je suis énervé parce que je savais pas où je devais aller. Du coup j'ai pas pensé à me soigner. Bref, j'irai à Divine, merci, hein, parce que je méritais pas ça. Mais c'est où, putain? Fort au canon, même pas, si. Derrière le fort au canon, peut-être? Si, putain, derrière le fort au canon! Si. Derrière le putain de connard avec ses multigriffes. Multigriffes. Est-ce qu'ils pop comme ça, ces ennemis, comme ça, un peu partout, là où il y a des ennemis forts, histoire de te dire... Nique ta race. Voilà, c'était là. Putain, yes. Il est mort du coup le serpent. On voit plus le cadavre du serpent, il est passé où? En tout cas, je peux tomber dans l'eau. Au moins, on retombe dans le setup du début. Pourquoi je peux pas plonger là? Il faut que j'apprenne à plonger. Hein. Et du coup, comment on remonte là-bas? Il y a des branches d'armes. Il y a moyen, c'est obligé. Et si je me rappelle, même le serpent il m'a poursuivi et c'était super chaud. Ah mais putain, en plus il y avait un point de sauvegarde juste là que j'aurais pu utiliser. Maintenant le problème c'est impossible de retourner là où j'étais. Il y a une... Ah ça me saoule, vas-y, c'est pas possible. Il va y avoir un truc. Hein. Le jeu est pas à chier comme ça. From Software, non. Pas vous. Not you, From Software. Mais dis César, ces branches là, mon gars. Ouais, ça grippe. Tentez mon désespoir. Oh désespoir. Ah, mais me faites pas peur, poisson de merde. Attendez, on m'appelle deux secondes. Ah bah. C'est un appel en l'absence, je quand même check.